Ça va YouTube ou quoi? On se retrouve pour le Wingo Beat Championship, même si je lance la VOD un poil tard, c'est pas grave. Wingo Beat Championship que j'ai expliqué très rapidement juste avant, du coup. Ce sera pas chaque mardi, ce sera très sûrement un mardi sur deux, mais en tout cas ce sera à chaque fois le mardi à 19h. Tout le monde peut participer, Marble on Stream, un grand prix de 6 maps, et à gagner du coup il y aura un abonnement que j'offrirai moi-même. Et c'est Mexec qui est en première position actuellement. Et si la personne est déjà abonnée, elle aura le droit de choisir la personne qui sera abonnée, tout simplement. Donc si, imaginons, Mexec, qui est abonné chaque mois à la chaîne, puisque voilà, modérateur, personne aguerrie, qui aime soutenir du coup la chaîne chaque mois, est déjà sub, et bien tout simplement, je lui poserai la question, qui veux-tu en sub, et il me donnera un nom, et à ce moment-là, je subgifterai cette personne. Cette map est très mignonne, Love is in the air, qu'on n'avait jamais testé, mais en tout cas pour le moment c'est Pilote en mousse qui a la première place. Oh, Pilote en mousse, ça a l'air de bien se passer, Pilote en mousse peut-être, oui. Eh oui. Ah mais j'avais pas vu, je crois que c'était la fin, my bad, Pilote en mousse qui continue du coup. Oh, il y a Laexus, il y a Swazi, il y a Natic, Natic qui tombe, pas étonnant. On a qui d'autre, en espérant qu'il fasse mieux à la LES. Goo qui tombe, Exakill qui tombe aussi. Terrible. Pilote en mousse, du coup, qui continue son petit chemin. Thomas Lamb qui a failli prendre la première place là-dessus. Alors, en fonction des jumps, il peut y avoir des vrais retournements de situation. Wingo qui tombe aussi. Aïe, aïe, aïe. Wingo, c'est bel et bien un tier 3 que tu offres. Non, c'est un tier 1. Mais après, on sait pas. Il peut y avoir des surprises. Pilote en mousse, faut passer dans les trous, là. Tu vas laisser ta place. Pourquoi il y a tous les modérateurs devant, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Laexus qui rentre pas, Swazi qui rentre pas, Mexec qui s'est fait pousser dedans, heureusement. Mexec qui retrouve sa première place d'antan. Suivi de Laexus, Zoid, Swazi pilote en mousse, et Mexec, peut-être. Il est bloqué un peu à la fin, il est bloqué à la fin, Mexec qui se fait... Oh non, il a failli se faire doubler par Zoid, mais non, c'est bien géré. Et Anae qui prend la cinquième place, pilote en mousse sixième. XD Camaro 7ème, Doliris 8ème, Yogg 9ème et Starthrone 10ème. Notre seul non-sub est 7ème, ça pue! Ça pue! Ça sent pas très très bon pour avoir un non-sub dans le lot, quoi. Ma bille est coincée du cul, c'est pas possible. Non, vous savez, Marble on Stream, la vérité c'est que ça se joue uniquement sur la dernière map. Quasiment. Image 80. Une preuve supplémentaire que le soutien et l'argent vous permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que faire des subgifts, des dons et tout, ça vous permet vraiment d'aller hyper vite dans Marble on Stream et d'être toujours au-dessus des autres, tu vois, de faire des top 1 plutôt régulièrement et tout. On a un exemple là, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Image 80? Qui cumule déjà pas mal de subgifts. En tout cas, ça a l'air de bien se passer. Il va quand même terminer. La chance. Nice. Première map de fête. Trop rapide pour entrer dans les trous. Pour la prochaine fois, fais un système de points personnalisés. C'est trop compliqué. Je peux pas faire des points pour le top 4. Enfin, pour 120 personnes. C'est impossible. Je peux pas. Comment on joue? Eh bien, tu vas voir l'explication maintenant, puisque on est sur une nouvelle map. Et là, il suffit tout simplement, dans le chat Twitch, d'écrire point d'exclamation play, et tu vas pouvoir participer. On est sur Mountain Pass 2. Le start est trop stylé, et ça s'engrange dans la brume jusqu'à la fin. C'est trop trop beau. Très belle map. Et voilà, vous pouvez tous participer. Il suffit d'écrire point d'exclamation play dans le chat à partir de maintenant. C'est maintenant. Go, go, go! Donc oui, hein, comme d'habitude, point d'exclamation play qui est à spammer. Et sinon, comme d'habitude, comme vous avez pu le voir avant, les subgifts qui permettent d'aller vraiment beaucoup plus vite. C'est parti, 6 secondes pour rejoindre. C'est maintenant. Paf. Du coup, ce matin, tu as fait du Star Wars, j'avais fait de Land Under. Non, j'en ai pas fait, j'ai fait du training OGL. J'ai fait du training de l'OGL. C'est parti. Qui sera le premier à sortir de ce
de ce bordel. Eh bien, en tout cas, pas Cyclone, hein, visiblement. Il est vraiment stuck de ouf. Trop marrant. Oh ! On a... Oh, on a plein de non-subs. Incroyable. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des caillasses que Papy Miko... Ok, des cailloux qui peuvent être complètement cassés. Mais en tout cas, Papy Miko, Torda et Dinakwal les ont passés le plus vite. Et très 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 rapidement. Ils sont un petit peu bloqués par la neige. Cette map est géniale. C'est trop trop bien. Papy Miko, les cailloux qui sont cassés grâce à toutes les billes qui leur foncent dedans. On a Sibra, Simlish, Pidelta qui sont là sur ce top 3. Et là, il y a des... Oh, Mystique qui aurait presque pu tomber sur la suite de la map. Mais malheureusement, non. Ok, ça se suit bien quand même. Hein. Simlish 14 pour le moment à la première place. Qui est donc un non-sub, incroyable. Un petit booster. On va arriver sur une nouvelle zone d'obstacle ici. Oh, avec des cailloux qui arrivent en plein milieu, qui vont gêner les joueurs. Et oui, ça gêne carrément les joueurs, puisque c'est Sibra 02. J'ai l'impression qu'il reprend la tête. Mais là, il y a des joueurs qui vont se faire expulser dans tous les sens. Et là, il peut y avoir de gros retournements de situation. Là, c'est un morceau de caillou qui a été expulsé, ça m'a fait trop peur. Pilote en mousse, Delta, Jun. Beaucoup de monde qui s'envole et qui peuvent atterrir sur la piste en dessous. Jun, terrible! Ça a failli. The Dark Pandas. The Dark Pandas qui va tout droit. Maraktek qui est très bien tombé aussi. Mais The Dark Pandas qui enchaîne complètement la map. Il y a un world record à 2.21. Dark Pandas. Dark Pandas, c'est peut-être ton moment. Ah, il y a des cailloux là. C'est un peu compliqué. Ouais, non, il y a des cailloux, c'est compliqué. Il a failli world record, hein, Dark Pandas. Hein. Franchement, il n'y avait pas les cailloux, c'était world record. Dommage. Pas mal de gens qui sont en train de tomber. On surveille. Hein. On surveille ici quand même parce que Dark Pandas est coincé depuis très longtemps. J'ai l'impression que les cailloux sont coincés que par le fait d'avoir plusieurs joueurs. Oh, c'est débloqué mais pas vraiment. Dark Pandas qui struggle. Rivadar qui prend la première place du coup. MDR. Les retournements de situation permanents. Alexis Speedy qui se retrouve à la troisième place, des gens qui se font expulser, c'est Rivadar qui va prendre la première place, suivi de Dark Pandas quand même. Alexis qui se retrouve un peu bloqué, ça va, ça passe. XD Camaro, Corol, Image 80, Will J, Swolex et Balorum, ça passe. Oh là là. Oh là là, les retournements de situation. Et ouais, Maraktek, c'est vraiment pas passé loin pour toi aussi. Mais aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Il va y avoir. On retrouve qui là dans le top? On va peut-être voir, plus tard. Je suis 500 millième. Ouais, alors le problème c'est ça, c'est que c'est difficile de suivre tout le monde, donc généralement je me focus que sur le top quand même. Est-ce que Jaynox va pouvoir finir? Donc en fait, si t'as de la chance, tu te fais expulser au milieu et t'atterris là-dedans. Et là c'est incroyable. Jaynox va quand même terminer. Ce qui est assez important. Bien joué. Alors, pour le moment, je vais skip la musique. Je vais skip la musique qui est un peu vénère. Pour le moment, nous avons qui? Merde, attendez, je vais faire... Hop. Je vais juste faire ça. Voilà, très bien. Pour le moment, c'est qui est premier là? Grand Prix. Pour le moment, c'est Rivadar qui est premier. Suivi de Mexec. Next map. C'est parti. Let's go. Point d'exclamation play. Oh, vous avez été beaucoup et très nombreux à pop d'un coup. On voit qu'il y a des compétiteurs qui déboulent. Bonjour. Point d'exclamation play pour rejoindre, comme d'habitude, rien d'autre de plus à faire pour ce championnat. Il y a tous les modos dans le top 20, je pense qu'il y a triche. Tu sais que c'est vraiment ouf, hein, parce que c'est un peu genre la première fois de toutes les fois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de modos là pour le coup. Point d'exclamation play les amis, que vous soyez sur...
sur PC, tablette, téléphone, micro-ondes, frigo, ce que vous voulez. Je suis sûr que vous pouvez au moins écrire point d'exclamation play et participer à ce grand prix. Et qui sait, peut-être que vous pourrez offrir un sub à votre amoureuse, à votre meilleur pote, à votre à quelqu'un que vous aimez bien dans le chat. On verra. En tout cas, nous sommes sur Taking Flight et ça commence dans 10 secondes. Et là, Taking Flight, il peut se passer des choses aussi. C'est à vous. C'est à vous de jouer. Nous sommes 161. Chacha 534 prend la première place. Avec une sortie plutôt pas mal. Minitel. Hashtag Team Gaspo. Nessio qui tombe. Ok, donc là on a Kaltorz. Polo qui tombe, malheureusement. Et là il y a peut-être des gens qui vont tomber. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Aïe aïe aïe. Goo qui tombe aussi. Et Kaltorz qui allait tout droit. Oh non, Kaltorz. Toshiro qui tombe. Et c'est Punk Bastide qui tombe. Punk Yoshi prend la première place. Et là, attention, ça peut aller très très vite. En bas. Oh, Thomas. Thomas qui est passé vite. Lula qui tombe. Oh, Delta, what the fuck. Oh non, c'est terrible. Il était si rapide. Lezir. Lezir 25 qui prend la première place et qui inscrit un nouveau local record. Oh, ce qui vient de se passer! Mais non! Youngflo! Youngflo a pris la première place! Mais putain, mais. Par contre, j'étais très bien placé, il y aura un clip pour ça, c'est sûr et certain. Youngflo qui passe devant! Je suis explosé. Comment c'est possible? Michel McFly qui finit 4ème. Cyclone 7ème. Anae 5ème. Phoenix. L2D2 Sama 8ème. Les 4 du coup qui a fait 10ème. Et ensuite tout le monde qui finit petit à petit. Je crois que je suis dead de mon côté. Incroyable. Incroyable. Ce qui vient de se passer. Mais il a fait comment? Il a pris quoi? Oh, je pense que. Genre. Mais non, mais. Je sais pas. Je sais. On regarde, on regarde. Terrible! Eric! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il. Ok. Il était si rapide! Le Zir 20. Attends. Là, il y a. Regardez Youngflo. Regardez Youngflo en haut. Rapide! Le Zir. Il vient d'où? Il vient de là, mais il vient de si loin! What the fuck? Rapide! Youngflo, il est là. Vous voyez peut-être... Ah, vous voyez pas ma souris, je pense. Je crois que vous voyez pas ma souris. Attendez. Ok, je pense que c'est bon. Donc, Youngflo, il est là. Mais il vient d'où? Il vient de... Lezir 25 qui prend la première place et qui... Mais non, mais... Qui inscrit un nouveau local. Mais c'est pas possible. Il était si rapide. Lezir. Mais il y a pas de gravité là. Il a pris le nuage magique. Lezir. C'est pas possible. Regardez ça. Place et paf, juste avant. Un nouveau local. Mais... Oh, ce qui vient. Ma réaction. Non mais là il y a un problème. Mais il vole depuis là-bas en il fait. Il était si rapide. Là il vole. Lezir 25 qui prend la première place et qui... C'est quoi ça? Oh, ce qui vient... Qu'est-ce que c'est que ça? On demande la VAR là. Hein. On demande la VAR là. Attention, on te surveille, hein, Youngflo. Non, c'est quand même très bizarre. Hein. Non pas que je serais là à dire que... Je sais pas si le marble on stream... Cheat existe ou pas, mais c'est quand même très bizarre là. Moi je comprends pas là. Allez, vous pouvez rejoindre. Point d'exclamation play, c'est parti. Go go go, on rejoint. Allez, hop hop hop, on y va. Ouais ouais ouais, on rejoint. Point d'exclamation play. On est que 160 alors que vous êtes quand même nombreux sur
le live, c'est pas normal. On est sur la map LAP. Vous allez vite comprendre la map LAP. C'est très marrant. Très marrant la map LAP. Go subgif pour ce move. Non, moi les cheaters, je subgif pas. C'est mort. C'est mort. Ça dégage. Pauvre, il a rien fait si ça se trouve. Allez, je vous laisse encore un peu de temps pour rejoindre les retardataires, point d'exclamation play. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et vous avez 10 secondes. 10 secondes pour rejoindre largement assez de temps. Je suis attractif. Donc, je vous explique la map LAP. C'est très simple. Forcément, qui dit LAP dit tour. Et en fait, ça va déclencher un compteur ici. Ce qui fait qu'à chaque bille, ça va descendre de 1. Donc, votre positionnement va être complètement aléatoire et ça peut faire des gros retournements de situation. On va voir qui a le plus de chat. Sois-y en tout cas pour le start. C'est Sois-y qui a le plus de chance. Ah, bah pas pour la suite. Mais pour le start en tout cas, oui. Tu peux mapper. Ouais, il y a possibilité de mapper, c'est vrai. J'ai jamais essayé. Faudrait peut-être que j'essaye. Et donc là, à partir du premier tour, ça va donc déclencher le compteur. Alors, j'imagine que c'est basé sur en haut. Voilà, et donc là, dans 330 billes qui passent, le virage va s'ouvrir pour aller jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'on va regarder avec précision. Youngflow, dev du jeu, c'est confirmé. Par contre, les campeurs du virage, là, on se casse, hein. On fait le tour. Hop, hop, hop. Ça va aussi, hein. Donc là, parmi certains d'entre vous, ils vont être très très malchanceux. Et qui vont passer pile au moment où le virage va se déclencher. Ou pire encore, le virage va se déclencher au moment où vous serez dedans. Et vous allez tomber. Ah bah Exakil n'a même pas besoin de ça. Yes. Yes, Exa. Alors vous êtes peu à être mort, hein, mais vous y êtes en tout cas. Donc là par exemple, Nico est dans la sauce. Parce que Nico passe pile... à ce moment-là, et là, tous les gens qui sont en train de passer, c'est la merde. Là, c'est la merde, le virage qui va se déclencher bientôt. Et paf! Eh oui! Image, Halo, Numbus, érotique, ça dégage. Et nous avons Askerad qui finit en premier, suivi de Arne Lyon, JPB, Lacadieu, Potis Naron, Potatoes Killer, Punk Life, Don't Sur, Toto Power et Grimfeld Grisama. Qui enregistre ce top 10. Incroyable. Il y a un cheater. Non, t'inquiète pas, c'était le local. Girococo. Je suis passé au 9, quoi. Plus que 9, il faut que je passe à ce moment-là. L'énorme luck d'Askerad s'en est bien, bien sorti. Avec Clever, hein. Clever, ça se passe archi bien pour Clever. On peut le constater actuellement. Ours pliable, pas mal. Pas mal, pas mal. On aime ce genre de pseudal. Je suis sorti en premier du virage, rip. Ok, bien joué. Allez, on enchaîne. Bongo Boogie. Alors là, Bongo Boogie, va y avoir des morts, je vous le dis. Et là, peut-être qu'il va y avoir des exploits sur Bongo Boogie. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez finir très très vite. Donc on va voir. Point d'exclamation play pour rejoindre comme d'habitude. Comme d'hab. Comme d'hab. Ok, ok. Elec Dynamics. C'est entendu. La map où je suis passé au-dessus du finish en début de stream, si ça m'arrive encore, je me désabonne. Le live où il devait y avoir des abonnés en plus, il va peut-être y avoir moins d'abonnés que de base, en fait. Un point sur le général avant la dernière map, exactement. 3, 2, 1, j'appuie sur start, il vous reste 10 secondes pour rejoindre, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Ouais, ouais, je mettrai le tableau de saison juste avant la dernière map. Oh! Oh! Petite June!
petit June qui prend la première place, pas très longtemps, mais qui a pris la première place. Et Image 80, Image 80 on le voit souvent quand même. Hein. On le voit souvent en haut du tableau, Image. Hein. Donc comme quoi, l'argent, tu vois, ça paye pas pour, pour Arne Lyon, alors que ça paye pour Image 80. Donc voilà. Sois-y, Clever, Modric, Elise Kids, Wallex. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de tomber actuellement. Pimpinlek ou Pimpinlek qui arrive vers la fin de la map. Et c'est là maintenant que ça va tous jouer. Jaune qui vient de tomber. Non, et Pimpinlek qui tombe. Image, peut-être. Est-ce qu'il peut le faire? Image. Incroyable. L'exploit, peut-être. Image 80 qui terminera premier avec le roi Mesné juste derrière. Dark Pandas, Tom Tom, Kalins, Dark Coco du 26, Spirou, Luchando, Polocéan et Dontsur. Dontsur and Please qui est encore là d'ailleurs. Image 80 qui nous prend cette première place. Et là on a un terrible événement qui est en train de se produire ici. Lui fait. Lui fait. Moment, faut y aller quoi. Il se fait désirer. Oh. Bon ben 20 secondes à attendre. De toute façon, on n'a pas le choix. faut y aller un moment. Allez. Allez. Ça dégage. Bon alors, selon vous, qui a la première place? Bon, il y a de très grandes chances que ce soit Image. Mais en fonction des résultats... Oh, Dark Pandas qui a toujours la première place du coup. Image en deuxième. Askerad, Jungflo, Rivadar, Mexec, Arne Lyon, Le Roi Mesni, Lezir et JPB. C'est faisable encore. C'est largement faisable. Et sois-y 16ème, tiens. Allez, on passe à donc la dernière map de ce championnat. Même pas un seul VIP. Hein. La dernière map de ce championnat, c'est celle-là. Il va falloir tout donner. Nous sommes sur Express Delivery. Oh là là. Oh là là, il va y avoir du retournement de situation là. Oh, elle est bien cette map. Oh, j'ai bien fait de choisir cette map. La dernière map. La seule qu'il faut jouer, hein, finalement. Parce que là, en fonction du résultat de Dark Panda, si vous faites premier, il y a de très grandes chances que vous gagnez. Donc, on sait jamais. Hein. On sait jamais ce que ça peut donner. Je vous laisse le temps de rejoindre tranquillement. Et ensuite, ça part. Ça part. Hop là. Je sais qui est le dernier au pire. Ah, j'irai voir qui est dernier. J'irai voir qui exactement est dernier. On est 161. En fait, on est resté à peu près le même nombre tout le long. Donc c'est ça qui est rigolo. Et c'est donc parti. 10 secondes. Pour... la plus belle run, la plus belle race. C'est parti. Let's go. Tout le monde qui se fait aspirer par le haut pour redescendre le plus vite possible. Et qui va sortir en premier? C'est Laixus et Zeros du coup. Il y a Doxlan qui est là, il y a Michel qui est là. C'est en train de se mêler entre les différents noms. Et vous êtes en train de passer par cette espèce de toboggan en peau de serpent. Il y a Michel McFly qui est là, attention. Ah, attention, il y a des pseudos là, il y a Askerad qui est là par exemple. Il y a quelques pseudos qu'on connaît un peu et qui sont là. Le premier obstacle, le premier vrai obstacle arrive. Et là il va y avoir des déçus déjà. Oh, Nico
Nico TV. Oh, ça passe en vrai, hein. Ça passe plutôt correctement. Et là, il y a des portails qui vont être pris. Et donc, je me décale. Oh non, Nico qui tombe. Je me décale parce qu'il y a une chance que des gens passent par ce portail de là-haut et aillent directement dans le finish. Donc ça, c'est le local. Ne vous enflammez pas. Astora. Ouh, Astora et peut-être... Oh non, terrible. Shulei. Alexis Pidi non plus. Oh, c'est terrible. Et là, Sir Talion qui tombe, Nessio, Darkoko du 26, Atoms, tous ces gens-là qui... Oh, c'est passé si proche. Et là, Doxlan et Laixis qui font leur bon chemin. Sakushi. Sakushi qui s'est bien envolé. J'essaye vraiment de voir tout le monde. Yorkal, petit homme, il y a des gens qui s'envolent, mais malheureusement, ça atterrit pas de la bonne manière. Doxlan. Ça va être une première place pour Doxlan, suivi de Laixus, Michel McFly, Luke 60, on a qui d'autre? Petit Tom, Thomas B2R, Kalen, Zeros, Yogg et Bouvreuil pour le top 10. C'est vrai que j'aurais pu me mettre en face, mais de côté c'est mieux pour lire les noms en fait, c'est ça le problème. Lire les pseudos de face c'est un petit peu infernal. Ah, ça a failli faire des prouesses. Ça a failli faire des prouesses. Hein. Mais en tout cas, il y a des noms qui sont ajoutés. Alors, je sais pas si Doxlan va prendre la première place. On va voir. Donc, dans l'idée, si vous êtes premier et que vous êtes déjà sub, vous mettez dans le chat @wingobert et vous me donnez le nom de la personne que vous voulez voir sub. Tout simplement. Tout simplement. Hop, je vais juste enlever ça, voilà. Et on va se préparer pour ça. Ah oui, non, c'est pas comme ça. Voilà, très bien. Oh non, il y a Arne Lyon qui se retrouve super loin du coup, alors qu'il était bien. Et je sais pas où est passé Dark Pandas. En tout cas, il a fini, parce que je le vois là. Mais, salut Kalen, comment ça va mec? C'est parti pour notre podium. Notre podium de ce Grand Prix. Avec à la troisième place du coup, nous avons Askerad. En second, nous avons Image 80 et en premier, ce sera donc The Dark Pandas. Bien joué Dark Pandas. Qui aura tenu sur tout ce Grand Prix. Oh, c'est close entre Dark Pandas et Image. 72-70 points. Bien joué, bien joué, bien joué. Donc du coup, n'hésite pas à me dire qui est-ce que tu aimerais... Enfin, qui pourrait avoir un sub grâce à toi. N'hésite pas à me dire le pseudo. Dina Crew, du coup. Hop, je reprends exactement ceci. Dina Crew, ça part. Tout à fait. Et donc, qui est le dernier? C'est Sir Talion, et sinon c'est Yorkal, qui est juste avant Moltox, avec une belle performance en tant que 248e. On a Skyzen 222, on a Puxun 168, Delta 146, Jun 138, Atom 128, Exa 123, Natic 105, Nico 99, Lula 87, Schwardy 85, là il y a Toshi, Bastide, Reiku, Zeilo. Je suis où moi? Je me suis pas vu. Ah, je suis là, je suis 199. Incroyable. Incroyable, c'est nul ce jeu où on tombe tout le temps. T'inquiète, la semaine prochaine tu vas pas tomber. Par contre, mon subgift ne fonctionne pas. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un mail de Planète Zoo, mais ça on s'en fout. Dina Crew, j'aimerais bien te sub, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Offrir un abonnement. Terminer l'achat. Qui
est le dernier en ayant fait les 6 maps. Total Race 6. Ah bah top. Ah bah super. yes. Et du coup l'autre dernier c'est Eranx. Et si jamais tu veux un non-sub c'est Jaynox. Alors je sais pas pourquoi le sub gift ne marche pas. Du coup bah, je le ferai quand ça marche. Quand ça marchera, promis. Mais là ça veut pas du tout. Donc je pense que Twitch est un peu en PLS. Et tout. Mais du coup, je le ferai. Je le ferai tout à fait pour cette personne-là. Bravo, Dark Pandas. Voilà, YouTube. C'était la première édition de ce Wingobi Championship. Donc, on se retrouve probablement de mardi prochain à 19h. Si il n'y a pas d'autres choses de prévues entre-temps ou quoi. Mais du coup, voilà. Voilà. Merci, YouTube. Abonne-toi. La bise.